veux que le diamant soit trié par toi. Et si vous faites une erreur d'un milligramme, je vous trempe dans le miel et je vous enferme dans une grotte avec un ours. Oh, chérie, qu'est-ce que je vois là? Ça c'est un collier. Oui, je le vois bien que c'est un collier. Tu me prends pour une idiote? Donne! Oh. Rendez-vous tous les trois avant que je prenne la mouche. Hey, t'as entendu? Elle est bonne, non, Gwen? Oui, mais je sais pas si on va la garder au montage. Hein? Oh! Qui es-tu, toi? Tu as fait quoi à ma ruche? J'avais un prix de groupe ou des soldes sur les déguisements d'insectes? Ben, je ne crois pas qu'elle porte un costume. Oh, attends, attends, je sais. Un repère secret, des truands, une abeille qui se prend pour Al Capone. Oh, ça tombe bien. Je suis mauvais comme un pou et méchant comme une teigne. Alors, si vous voulez pas que je vous secoue les puces, un conseil, rendez-vous dardard. Ou je vous mettrai une correction qui ne sera pas piquée des hannetons. C'est dans la boîte. Fais voir. Je crois pas que ce soit le bon moment. Ne me dis pas que tu ne m'as pas filmé. Vous avez crevé mon plafond. Et maintenant, à cause de vous, mon éclairage est ruiné. Garde à l'attaque. Gwen, je compte sur toi pour ne pas louper ça. Debout, qu'est-ce que vous attendez? Arrêtez vos jérémiades et attrapez-moi cette chose. Vous êtes plus collant que des mouches, mais moins dangereux que des moustiques. Ils sont beaucoup trop nombreux, arrête de plaisanter. Qu'est-ce que tu crois que je fais là? Je ne plaisante pas, je suis très sérieux au contraire. Je ne plaisante jamais quand je tourne un film d'action. Ouais, t'as tout fumé, c'est bon, hein? T'as tout eu? Non, elle n'a rien eu du tout. Moi, en revanche, j'ai capturé quelqu'un qui t'intéresse. Gwen! Vous avez eu tort de détruire le toit de ma ravissante ruche. Comment comptez-vous faire pour me dédommager? Excusez-moi, auriez-vous la gentillesse de dégager de la lumière? Vous me faites de l'ombre! Vous savez que la pénombre me fait une mine affreuse et le table à phare. Non, tu vas encore essayer de gâcher mon film d'action! C'est mon film! Il est à moi! C'est le mien! J'ai honte de m'être comporté comme ça. Oh, mais attends, oui, bien sûr. Ici, c'est l'endroit idéal pour servir de décor au repère des méchants. On va pouvoir commencer un super méga film d'action. Et le plus important, c'est surtout qu'on a trouvé la personne qu'il nous faut pour tenir le premier rôle. Qu'en pensez-vous, madame la réalisatrice? Il a raison, vous avez exactement la tête de l'emploi. Vous êtes faite pour le grand écran. Oui, je sais. D'ailleurs, avant d'embrasser une carrière criminelle, j'ai intégré une petite troupe de théâtre au lycée. J'ai tout de suite su que vous étiez naturellement douée pour le cinéma. Vous allez me faire rougir. Non, il a raison. Vous avez ce petit quelque chose unique propre aux grandes stars. Quant à vous, les gars, vous faites un super boulot en coulisses. Dommage qu'il ne soit pas apprécié à sa juste valeur. Vous voulez en venir? Nous sommes appréciés à notre juste valeur. Oui, bien sûr. Sauf toutes les fois où la diva passe ses nerfs sur vous. Et pendant que vous vous tapez le sale boulot, elle fait quoi, elle? Ça va, comme ça, je suis bien là. Vous m'avez bien, la lumière est bonne. Elle se la coule douce en faisant sa star. Et elle nous pique tout ce qu'on rapporte. Y'a rien qui vous gêne, vous trouvez ça normal? Non, c'est pas juste. Vous savez quoi, les gars? On devrait lui écrire une lettre pour lui dire sans ménagement ce qu'on pense de sa façon d'agir. Je ne voudrais pas vous influencer, mais vous pourriez vous révolter et partir avec le butin. Conseil pour conseil, envisagez une reconversion professionnelle dans la criminalité. Merci, mais je ne cherche pas de travail, j'en ai déjà un. Je suis héros de film d'action. Tu vous le dites? Je crois que la fête est finie. Wow! Elles sont géniales, vous avez un agent? J'ai cherché mais je n'ai trouvé personne. Je connais quelqu'un de très bien. Tenez, envoyez-lui quelques selfies. Pensez-vous qu'ils auront un atelier théâtre en prison? J'ai pris une véritable leçon de vie aujourd'hui. Je ne me laisserai plus jamais dicter ma conduite par mon ego. Même si aujourd'hui j'ai botté les fesses à des criminels et rendu leurs économies à ces gens, je n'aurais jamais pu le faire sans l'aide de Gwen.